pension de retraite. Les difficultés de déplacement. Les personnes âgées et autres rentiers ont éprouvé beaucoup de difficultés aujourd'hui à encaisser leur dû à cause de l'absence des moyens de transport. La perception des pensions de retraite débute en effet aujourd'hui auprès des guichets appropriés, conformément aux directives des autorités compétentes. Henri-Yvon Rekoutnaïvou, un des bénéficiaires, s'exprime ainsi. Nous approuvons entièrement les dispositions adoptées par l'État pour limiter l'affluence devant les guichets, mais sans moyens de transport, il est pratiquement impossible pour la plupart des retraités de se déplacer à pied jusqu'au bureau de trésorerie. Nous souhaitons qu'une disposition relative au transport soit élaborée, si cette situation est encore maintenue pour le mois prochain. Au bureau de la perception de Faravoïdj, la caisse est ouverte de 8 à 15 heures. Le percepteur général Julien Angenasoulou a rappelé que cette journée a été consacrée aux retraités ayant le numéro de pension qui se termine par 0 et 1. Toutefois, d'autres qui se sont présentés ont pu toucher leur pension, même s'ils n'étaient pas dans cette liste. Toutes les mesures de précaution liées à la propagation du coronavirus ont été scrupuleusement observées durant cette première journée de perception des pensions de retraite. Des agents du ministère de la Population ont distribué des cache-bouches à tout le monde, tandis que des éléments de la sécurité publique ont assuré l'ordre sur les lieux. Le paiement des pensions de retraite ne se terminera que ce 28 avril prochain. Le changement de carte de pension sera effectué ultérieurement.